Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer deux mini-albums que j'ai fait sur le thème des vacances avec une reliure à spirale. Donc ils sont tout simples. Sur la première page j'ai mis des petits tags où on peut y glisser des petits mots. À droite, une page avec un coin pour y glisser nos photos. Donc toutes les pages ont été faites sur le même modèle. Ici, on y glisse donc nos photos. Et on peut en mettre plusieurs, hein, bien entendu. Il comporte pas mal de photos, de places photos. Il est vraiment tout simple. Et j'ai bien aimé le faire. C'est vraiment le papier est agréable à travailler. J'ai coupé certains papiers avec du papier uni pour pouvoir faire ressortir donc le papier à motif. Avec tempête, plein de petits die-cuts aussi sympas, hein, qui faisaient partie bien sûr de la collection de papier. Donc j'avais envie d'un petit peu de vacances. Donc voilà, j'ai préparé les papiers, ce petit album. Et qui comporte donc beaucoup beaucoup de photos, hein. La dernière page, des petits tags. Et voilà. Donc ça, c'était donc le premier album. Et voici le deuxième, donc qui est un peu plus grand. Donc un petit air de vacances. Donc il se ferme avec un petit ruban. Donc là, nous avons des die-cuts de la collection. Et puis j'ai fait en sorte que toutes les pages soient identique niveau format. Alors, on peut y glisser des très grandes photos, voyez, par rapport à ma main. Donc, deux photos là, et là, des petits rabats pour y glisser soit des petits tags, soit des petites photos, comme on veut. Donc, il y a deux possibilités, là et là. Là, il y a des petites, voilà, des petits tags qui sont cachés. De ce côté-là, nous avons un grand tag pour y glisser deux photos et puis bien sûr des petites images. Voilà. Ensuite, toujours de la même présentation, donc une grande page pour y glisser encore plein de photos. Les petits tags, les petites pochettes. Ici, un grand tag. Papier décoratif très sympa aussi, avec plein de petits die-cuts qui faisaient partie aussi de la collection. Là, donc, nous avons un maximum de grandes photos. On peut y glisser, c'est un petit papier, donc 10-10. Vous voyez, on peut vraiment décorer comme on veut. Donc, un petit tag encore pour y mettre deux photos. Donc, la collection très sympa. Des grandes places photos, des petits tags tout simples. Donc ici, grande photo. Toujours notre petite pochette. On peut y glisser plein de petites choses. D'ailleurs, des petits tags qui se sauvent tout seuls. Donc là, j'ai remis deux grandes places photo, des petits emplacements pour tags ou pochettes ou petits souvenirs. Ici, une petite décoration, un tag pour mettre des grandes photos, des petites pochettes. Voilà. Ensuite, un papier encore décoratif, deux petites photos. Là, un emplacement pour mettre des grandes, grandes photos. Toujours nos deux petites pochettes. Ici, un grand tag. Des petites décorations. Et si on part au bord de la mer, c'est vraiment un bel album. Voilà.
encore un grand tag, un papier thème mer, des emplacements pour mettre des grandes photos, des petits tags, et voilà tout simplement la fin de l'album. Alors j'espère que ces petits modèles vous auront plu, et donc dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment réaliser cette reliure. Bon scrap, au revoir.